tour du salon Creativa de Metz. J'ai pu y rencontrer l'escroquine de Lorraine. Ça a été un super moment. On a déjeuné ensemble, on a discuté de nos découvertes. Donc c'était vraiment très agréable. J'espère que nous nous reverrons à Version Scrap Paris. Et bon, c'était vraiment très sympa. Il y avait un côté salon Creativa avec du scrap pour le tissu et la couture. Et de l'autre côté, salon du chocolat. Bon, évidemment, on y a fait un petit détour parce que quand même, faut ce qu'il faut. Mais bon, ce qui nous intéressait évidemment principalement à nous, c'était le scrap. Donc moi, j'ai bien aimé. J'ai quand même trouvé pas mal de choses pour le scrap. C'était la première fois que j'y allais, donc j'ai pas de référence pour dire si c'est mieux ou moins bien. Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, moi, j'ai passé donc une super journée et j'ai quand même ramené pas mal de choses dans ma petite valise. Donc je vais vous montrer ça. Donc dans un premier temps, on s'est arrêté sur le stand de Art Avenue. Alors de toute façon, je vous mettrai en commentaire de la vidéo les liens s'il y en a. Bienvenue dans la boutique Art Avenue, je m'appelle Laetitia. Alors chez moi, vous allez pouvoir trouver tout ce qui a trait aux machines de découpe avec un vaste choix de plaques d'embossage, tous les accessoires pour la machine, un vaste assortiment de matrices de découpe. Vous avez aussi un énorme choix de tampons de la marque Viva Décor et autres, un gros assortiment de pochoirs de Lidoubalou, tout ce qui est perfo, bordure et alors un vaste choix de produits nouveaux. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon site www.art-avenue.be. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Bien évidemment, j'ai craqué sur la planche Tonic Studio en verre trempé. Elle est aussi grande que la nouvelle de chez Timols, mais elle est beaucoup moins chère. Je l'ai eu à 20 euros, 20 ou 21 euros. Donc j'essaye de la sortir pour vous la montrer, mais c'est pas évident si on va y arriver. Donc la voilà. Donc elle a quand même un grand format. Elle fait exactement la même taille que celle de Timols. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est complètement blanche. J'accroche pas tellement à celle qui est en noir et blanc. Et enfin, c'est pas tellement que j'accroche pas, c'est surtout que celle-ci est moins chère et qu'elle fait la même chose. Après, je pense que c'est pas un souci de rajouter les feuilles supplémentaires dessus. Enfin bon, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Ensuite, j'ai pris deux planches de tampons de My Paper World. Donc, c'était 6 euros et il y a quand même pas mal de tampons dedans. J'ai pris des thèmes vintage et steampunk, étant donné que j'aime bien et puis que dans le groupe, en ce moment, on en fait. En plus, ça, c'est sur le thème du voyage, donc je sais que je vais m'en servir. Dans celui-là, bah, on en a un good time, donc différentes écritures. On a un tag, un ticket, une étiquette, le superbe avion là, une flèche, même juste celui-ci sur une carte, ça peut être sympa pour les vacances. Et ensuite, j'ai pris celui-là, donc avec les rouages, l'ampoule, cadenas et clé, là une matière bois et vis, là écrit Golden Memory, et là c'est comme pour faire une étiquette, un portrait,
là, une frise de rouage. Ici aussi, donc pour le stone pump, ça sera très bien également. Donc voilà mes craquages pour la boutique Art Avenue. Ils font différentes choses en plus des tampons. On y a trouvé également la nouvelle pâte nouveau qui gonfle. Et différentes choses tant au niveau des encres que des fleurs que des tampons. Donc vous pouvez aller faire un tour soit sur leur site dont je vais mettre le lien, soit ils seront de toute façon là pour version scrap à Paris et également au salon Creativa en Belgique. Comme je sais qu'on a nos copines belges, il y a le Creativa à Bruxelles Expo du 14 au 17 mars. Et j'ai vu également que les 27 et 28 avril, il y a le salon Nuances de Scrap à Gosselies, hôtel Charleroi Airport. Bon, de toute façon, ça, je vous le remettrai pour nos amis belges, je le remettrai sur le groupe. Ensuite, sur le stand d'Univers Scrap, j'ai repris des mini trombones Tim Holtz, comme j'en utilise pas mal. J'ai pris ce dice qui est comme une petite page à carnet qu'on a déchiré. Donc il était à 5,95 de Florilège Design. Et aussi ce tampon de Florilège Design à 3,95. Donc c'est une petite liste d'écriture avec le trait au milieu mais en petit. On la voit beaucoup en plus grand, mais en petit j'aimais bien, même pour les ATC, tout ça, ça peut être sympa. Ils seront également à version scrap. Et ils m'ont passé ça, donc ça peut être peut-être intéressant pour une place entrée plein tarif en faisant le code EXP19. Si vous achetez évidemment sur le site paris.version-scrap.com, vous avez 2€ de réduction. Donc je vous remets leur flyer Univers Scrap. Donc eux, ils sont dans la région parisienne, dans le Val d'Oise, à 20 minutes de Paris. Ensuite, on a fait un arrêt sur le stand de Easy Scrap, les Créateliers Caracol. Donc, c'est des amis qui nous viennent de Belgique également. Ils sont sur Grivenier et leur site. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc, chez eux, j'ai pris un petit dice de Dovecraft en forme de libellule. Il y avait des promotions sur les tampons et j'ai craqué sur celui-ci avec les pinceaux et les écritures. Il y avait quand même moins 40% dessus, donc ça valait le coup. J'ai craqué également sur celui-là avec les coquillages et les écritures en rapport avec la mer. Je trouvais qu'il allait bien, qu'il se mariait bien en plus avec la nouvelle collection de chez Stamperia, steampunk, avec les animaux. Et j'ai pris celui-ci de Beau Bunny. Donc j'aimais bien ces écritures fines. C'est une page de dictionnaire. Il y a des annonces, étiquettes publicitaires. Donc voilà pour cette boutique. Ensuite, nous sommes allés chez nos amis de Scrapcolor. Donc
Scrap Color, on les croise à chaque salon où on va. Et puis, c'est des personnes très sympathiques. Et souvent, je refais mon stock chez eux. Vous les avez aussi sur Internet. De toute façon, vous les avez non seulement dans les adresses du groupe, mais également, je vais vous le mettre également en commentaire. Donc, j'ai pris pour 3 euros un petit sachet de boutons en bois. Il y a aussi les mini mobiles. J'ai repris des œillets avec une grosse base pour la crocodile. Ensuite, j'ai pris des coupe-bois qui font eux-mêmes, donc dans le style steampunk. J'ai pris une grosse horloge également, donc de 30, de 50, ça va, c'est quand même raisonnable, parce qu'elles sont quand même assez grandes, comme des coupes. J'en ai pris également des plus petites et des enveloppements. J'ai pris ce petit cintre, je le trouvais très joli avec les petits oiseaux. J'ai pris des petits tags en bois comme ceci. J'ai repris un cadre en résine. Au niveau des fermetures, j'ai repris des petites fermetures comme ça, en forme de ceinture, de boucle de ceinture. J'ai pris des petites plaques de serrure. Donc, j'ai pris cette fermeture-là parce que je trouvais ça sympa pour mettre sur un album. Donc ça se pose comme ceci, après ça vient par dessus et puis on ferme comme ça, hop, on tourne. Non, je trouvais ça sympa, donc j'ai pris, j'en mettrai après. Après, en breloque, j'ai repris un petit ciseau comme ça, j'en avais presque, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Voilà, j'ai pris en tout petit. Et j'ai pris deux petites breloques boutons. Voilà, voilà. Pour ce qui est de chez Scrap Color. Ah non, j'ai pris également... Qu'est-ce que j'en ai fait? Et j'ai repris de la pâte à craquer de Deco Art Media blanche. Donc voilà pour ce qui est du scrap. Ensuite, on s'est intéressé également aux rubans, tissus et autres. Et donc, il y avait des stands avec un petit peu comme sur les marchés où ils n'ont pas forcément de boutique autre sur Internet. Et c'était sympa parce qu'il y avait des affaires. Bon, par exemple, là, pour 2 euros, on avait 3 rubans différents. Moi, j'en ai pris un en forme de mètre. Un dans les verres, un petit peu comme ça. On va dire vert shabby. Enfin, c'est pas un vert shabby, c'est un vert vintage un peu. Comme un peu passé. Et j'ai pris celui-là en rose. En vague. Et j'ai repris également des petits boutons, j'ai trouvé très joli, dans le style un petit peu sarraquet. J'ai pris le petit garçon en double, j'ai pris la petite fille, un petit chien, un petit chat, un oiseau. Cette petite fleur et des boutons en bois qui font vieillir.
J'ai pris également des toutes petites bobines en bois. Il y avait également un stand de dentelle. Non, j'ai pas craqué. Donc il y avait également un stand de dentelle à 1 euro. Je sais pas combien il y a de mètres dedans, mais à 1 euro le paquet. Donc j'ai repris ce ruban. J'en ai pris dans ces tons-là, dans deux tailles normalement. Oui, voilà. J'ai pris ceci, je l'ai trouvé très joli avec les pois. Je l'ai pris en rose et en blanc. En dentelle, j'en ai pris une un petit peu brillante. J'ai pris celle-ci avec un passant avec un tout petit ruban. Celle-là en fine, je ne l'avais pas. Après, dans les troncs crème, j'ai pris celle-ci. Celle-là. Celle-là en blanc. Donc, c'est des fines. Celle-ci aussi. Hop, celle-là. Dans les tons pêche. Dans les tons pêche, j'ai pris ça. J'ai pris aussi le ruban zigzag. J'ai repris une petite dentelle fine. En zigzag, j'ai pris également en blanc. J'ai pris ce ruban froncé en blanc. Il est élastique. Donc je trouve ça assez pratique. Donc là, c'était à la découpe au mètre. J'ai pris celui-là. J'ai tout rangé comme il faut après. Celle-ci. J'ai pris celle-ci dans des tons un petit peu marron. Celui-là avec les pois dans les troncs gris chaud. Puis j'ai repris une fermeture bouton à aimant. Et des petits boutons en nacre. C'est pareil, c'était 1 euro le sachet. Donc comme j'en utilise quand même pas mal. Donc dans les tons crème et des tout petits dans les tons gris, gris marron. Donc je les trouvais très jolis. Donc ça c'était des stands un petit peu comme les stands sur les marchés. Donc je ne peux pas vous donner d'adresse. Il n'y en avait pas. Enfin, mes deux coups de cœur du salon, bah, tout m'a plu bien sûr, mais mes deux petits coups de cœur trouvailles. Donc, dans cette boutique Midon Dentelle, donc le site www.midondentelle.fr, j'ai trouvé des toutes petites, comme des rouets ou des bobines en bois. J'ai trouvé que ça serait super sympa, donc pour embellissement. Il y en a dans différentes tailles. J'ai trouvé ça très chouette. Et enfin, une boutique de moulage. Bonjour. Fabricant de moulage décoratif depuis 30 ans. Ah, ça. Loisir créatif depuis 20 ans. D'accord. Donc, vous pouvez retrouver tous les produits sur le site lapetiteprovençale.fr. On a également une page Facebook au même nom. Et donc avec ça vous pouvez sur tous les thèmes travailler avec les animaux, les ours, les enfants, le mobilier, la mode et les parfums, la couture,
le jardin et les anges. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a, effectivement, il y a de quoi faire. C'est, voilà. C'est vraiment très très joli. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Donc, un petit pot de confiture. Une petite décoration comme une console. Un petit sachet de lavande, petit cœur, un petit nounours, il était trop mignon, je l'avais pas celui-là, ici aux jolies petites poupées. Comme une poignée de porte, enfin de placard, de tiroir. Enfin, cette frise-ci. Et celle-là. Okay, je la trouve très jolie en forme de... Rien qu'elle toute seule, elle fait un superbe embellissement sur un album ou autre. Donc une super journée à ce salon Creativa de Metz. Ravie parce que plein de petites découvertes. Ravie surtout d'avoir passé cette journée avec ma copine Carole et avec les scopines de Lorraine. Donc je vous remettrai les adresses soit sous la vidéo, soit en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt !